son numéro de téléphone. Voilà, et hop, je l'ai localisé, le type en rouge ici, c'est mon collègue. Là où quelqu'un de normalement constitué voit simplement un bête téléphone qui sert à téléphoner ou à jouer à Angry Birds, bah nous on voit ça comme un outil polyvalent et qui peut être aussi utilisé à des fins détournées. Ça peut être utilisé pour améliorer des concepts ou améliorer des produits, tout comme détourner l'utilisation et s'en servir à des fins malveillantes. Ça c'est les serveurs équipe. Un PC par équipe qui héberge deux machines virtuelles, un Windows, un Linux, et qui hébergent eux-mêmes les épreuves de chaque équipe. T'as toujours plusieurs moyens d'exploiter une faille. Après, c'est la rapidité, l'efficacité, la disponibilité de ton infra, parce qu'il faut la garder disponible pendant que toi, tu essaies de trouver des vulnérabilités chez les autres. Connaître les méthodes des pirates en fait pour pouvoir les contrôler. On va avoir un ensemble de conférences qui vont montrer des attaques, qui vont montrer les vulnérabilités et on va avoir aussi une sorte de compétition avec le challenge CTF qui permet aux gens d'évaluer leur niveau de sécurité, de se valoriser aussi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent recruter, qui recrutent à la nuit du hack, des jeunes talents qui ont vraiment des compétences techniques impressionnantes à leur âge. One of the things that we really need to do. And you guys are part of it, and the hacker community has always, always been a good part of this, is to help look at technology, look at early technology, for not only what it can do, but for what it was not designed to do. What else can I do with this software? What else can I do with this protocol? Where are the holes? What are the problems? How can I make it better? How can I exploit it? Not for evil, but for the knowledge. Take that same principle and think ahead. Como el candor de una rosa.